Wow. Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous portez bien, c'est extraordinaire. Nous venons de nous réveiller. Qu'est-ce qui se passe quand vous vous réveillez le matin? Marchons un peu. La plupart du temps, quand ils se réveillent le matin, ils sont toujours pressés. Ah, la journée a commencé, il faut que tout le monde sorte. Aujourd'hui, c'est le 30, demain le 31. Ah, c'est la fin de l'année, il faut qu'on fête un peu. Il faut qu'on se réjouisse parce que, vraiment, si Dieu nous a donné la vie, c'est pas pour rien. On a gardé espoir, Dieu s'est manifesté. Il a fait beaucoup de choses en nous, pour nous. Ah, tout ça c'est bon, tout ça c'est extraordinaire. Mes frères et sœurs, vous avez raison. Qu'est-ce qui se passe la plupart du temps sur les champs à la fin de l'année? Surtout le 31. C'est demain le 31. La plupart du temps, les gens se disent, nous on attend juste minuit pour pouvoir même crier. Les gens se disent, oh oui, vous savez, ne nous fatiguez plus. Nous, on attend juste minuit, on va crier. On va mettre du poulet, du vrai poulet. Parce que vraiment, l'année n'a pas été facile. Hein. Ah, est-ce que l'année a été facile? Peut-être que pour certaines personnes, cette année a été une très bonne année. Pour d'autres, cette année a peut-être été un grand fiasco. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses. C'est un petit de proche. Même ici, on a perdu une personne. Une star est décédée. Et il y a eu trop de choses mauvaises qui sont produites après sa disparition. Mais c'est la vie. C'est la vie. Personne ne peut vraiment prévoir ce qui va se passer dans une année. Même à la nouvelle année qui arrive, 2020. Dites-moi. Dites-moi, mes frères et sœurs. Savez-vous ce qui va se passer l'année prochaine? 2020. Que va-t-il se passer? Actuellement, tout est calme, non? Peut-être que dans la vie de certaines personnes, actuellement, tout est mouvementé. Beaucoup de problèmes. Mais est-ce que tu sais qu'en 2020, tes problèmes vont disparaître? Tu ne sais même pas. Est-ce que tu sais qu'en 2020, il y aura beaucoup d'opportunités pour toi? Tes portes vont s'ouvrir et puis tu vas faire des grandes choses. Tu ne sais même pas. Donc, quand les gens arrivent au 31, ils sont même pressés. Je comprends, je vous comprends. Je vous comprends. Déjà, moi je vais vous dire. Dans la vie, il ne faut jamais se presser. Il ne faut jamais se presser dans la vie. Tout ce que vous cherchez dans la vie, ne vous pressez pas. Ne vous pressez vraiment pas. Sinon, vous allez faire des erreurs, des bêtises. Vous allez faire des choses, même inutiles. Ne vous pressez pas dans la vie. C'est pourquoi il faut s'attacher à Dieu. Et là, on parle de Dieu. Pourquoi on parle de Dieu? Parce que sur cette terre-là, une chose est claire. Tout ce que nous sommes ici, tout ce que nous représentons, toutes ces choses, vraiment, c'est Dieu. Sans lui, c'est pas possible. C'est un truc de ouf. Dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, si lui ne vous accompagne pas dans ça, vous êtes même foutu. Dans tout ce que vous êtes en train de faire, si lui n'est pas celui-là même qui vous garde, qui vous protège, même qui a une même mise sur vous, non, vous ne pourrez pas bien avancer. Parce qu'il va forcément dans votre vie des gens qui seront de vous mettre le bâton de la roue. C'est pourquoi déjà commencez maintenant, c'est le 30 ans. Commencez déjà à prier dans ce sens, dit seulement à Dieu. Tu sais, l'année prochaine, c'est une très bonne année. Moi, je crois. Je sais aussi qu'il y aura des ennemis. S'il te plaît, viens fermer la bouche de mes ennemis. Ceux qui me mettent des bâtons dans les roues, là, il faut les enlever sur mon chemin. Afin que moi, ils puissent bien prospérer l'année prochaine. Il faut prier comme ça. Il y a des gens qui sont là pour mettre des bâtons dans les roues aux gens. Oui. Tu dois prier que Dieu vienne enlever sur ton chemin les gens qui te mettent des bâtons dans les roues depuis et qu'il faut même que tu es au même niveau. Si tu étais au chômage l'année prochaine, il faut que quelque chose se passe pour que toi tu puisses avancer dans ta vie.
Il faut que tu avances. Et regarde. Touche ton visage. Touche ton visage. Dis, ah, il faut que j'avance. Touche ton ami qui est à côté. Touche ton ami qui est à côté là. Il faut dire, mon ami, il faut qu'on avance. Il faut qu'on évolue. Il faut qu'on avance. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Quand on dit accroche-toi à Dieu, faites attention. Parce que là encore, quand on dit accroche-toi à Dieu, il y a les gens, eux, dans leur tête, c'est le diable qui est le Dieu. Le Seigneur Christ est venu. Il nous a parlé de son Père. Nous tous, on sait qui a créé les cieux et la terre. Ça, ce n'est pas une information. Ce n'est plus une information. Ce n'est plus à discuter. Celui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui que nous tous ici, nous devons suivre. Nous devons implorer sa grâce afin qu'il nous fasse voir de bonnes choses, de vraies choses. Même si tout ce qui est sur la terre ici, ce sont des choses de vanité. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez même pensé à ça? Elles sont en train de se préparer déjà à acheter les moutons, les poulets. Mais ils n'ont même pas eu l'idée de quand même prier, remercier Dieu pour les avoir gardés cette année, pour les avoir protégés cette année. Dieu va vous protéger cette année. Dieu va, bon, l'année n'est pas encore terminée, mais il va vous protéger cette année jusqu'à la fin et il va vous aider à entrer dans la nouvelle année en beauté. Maintenant, vous devez savoir un truc. C'est pas parce que les gens vont vous dire bonne année, bonne année, bienvenue à l'année, prospérité, ceci et cela que. C'est pas parce que les gens vont vous dire ça que l'année sera parfaite. Hein. Ou bien que vous n'aurez pas de problème. Hein. Ça même année, ça dans votre tête. Mettez-vous dans la tête que, quels que soient les problèmes qui vont arriver l'année prochaine, vous aurez confiance en Dieu qui est votre sauveur. Moi, Jésus est mon sauveur. Qui est ton sauveur, mon frère? Qui est ton sauveur, ma soeur? J'ai eu des problèmes, je l'ai appelé. Il dit, Jésus, viens m'aider. Il l'a fait. Et depuis ce jour, j'ai su que le gars là, c'est un bon gars. Et que lui, je fais mon affaire. J'ai avancé avec lui. Et ça a marché. Et ça marche pour moi. Je vais te dire mon frère. Je vais te dire ma soeur. Il faut que Jésus soit ton sauveur. Il faut que Jésus soit au sein de ta vie. C'est pas pour blaguer avec toi. Ça veut dire qu'il faut que tu expérimentes la puissance qu'a Dieu. Dieu, il faut que tu apprennes, il faut que tu découvres ce qui se passe concrètement dans la vie d'une personne qu'a Dieu. Quand vous avez Jésus-Christ dans votre vie, je vais vous dire en même temps, tout n'est pas rose. Bien au contraire, vous êtes bien persécuté, mais c'est pour que vous avanciez. Dans la persécution là, se trouve une grande bénédiction. Dans la persécution se trouve une grande bénédiction pour vous. C'est même ça notre vie. C'est même ça notre vie. Vous devez me croire, mes frères et sœurs. Donc ne soyez pas tout le temps pressé pour faire les choses. Peut-être toi, ma soeur, tu t'es dit que vraiment, tu as fait beaucoup de choses dans ta vie. Il faut que tu te cases, il faut que tu te stabilises, il faut que tu te maries. Ah, ma soeur, il ne faut pas être pressé pour ça. Mais c'est important quand même pour demander à Dieu de t'aider à trouver le chemin, le bon chemin. Ne va pas faire les choses avec ton intelligence. L'homme pense qu'il connaît beaucoup de choses, mais en réalité, il connaît peu de choses. Personne ne sait quelque chose. Nous tous ici, nous sommes là pour apprendre. Elle dit ça même ce qui se passe au paradis. Elle s'est même vue là-bas. Comment Dieu m'a même créé la terre là? Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu es même au courant? Non, dis-moi. Est-ce que tu es même informé? Est-ce que tu es même informé de comment Dieu a fabriqué l'eau?
nous. Ah, pourquoi même la mer même est salée? Pourquoi la mer est-elle salée? Peux-tu m'expliquer toutes ces choses? Les gens doivent apprendre à respecter Dieu. Les gens doivent apprendre à respecter Dieu. Ah, qu'est-ce qu'il n'y a pas à vous? Qu'est-ce qu'il n'y a pas à vous? Il faut être prêt, mes frères et sœurs. Il faut être chaud. Il faut vraiment apprendre à se confier à Dieu quand même. Dans la prière, la méditation de la parole de Dieu. Et vraiment, Dieu va faire beaucoup de choses pour nous. Qu'en pensez-vous? Mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Comme on vous l'a dit, le 31 décembre, à 23h, nous aurons un live. Du genre, je vais prendre nos portables comme ça, on va faire un live, on va causer. Toutes les personnes qui seront disponibles vont causer avec nous. Si vous êtes en train de passer un bon moment avec votre famille parce que, voilà, c'est aussi un jour férié. Regarde, allez-y, causez avec vos familles. De connecter vous-même de l'internet ou de réseau. Voilà. Mais si vous êtes seul et que vous avez envie de bien causer avec nous, partager de bons moments, venez, on va passer le temps ensemble. Moi, ce jour-là, je serai seul. Voilà. Mais pas vraiment seul parce que vous serez avec moi. Là, les frères et sœurs, vous allez nous montrer votre amour demain, 31 décembre, à minuit. Non, à 23h. De 23h à minuit. Ça dépend de dans le premier. On va même crier. C'est chaud. Ah, là maintenant, on va dire quoi? On va dire, oh, on a parlé ici, mais c'est Dieu qui doit maintenant mettre son OK, qui doit valider. Si vous recevez une notification à cette heure, c'est que ça a commencé, c'est que Dieu a validé et qu'il est d'accord avec ça. Et nous, on va causer. On va parler du tout et de rien, de la vie, de ce qui s'est passé en 2019, comment on va aborder la nouvelle année. Vous connaissez. Dieu seul qui sait ce qui va se passer ce jour-là. Mais c'est tout simplement prêt. Ça va être chaud. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. Et quand vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé sur ce qui va se passer. Soyez chaud. C'est parti.